26 mai 2021 et les remontées mécaniques viennent de réouvrir. Ça fait presque 2 ans qu'on est enfermé. Et moi j'ai eu 40 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années. Je travaille à mon nouvel album et j'enregistre des mémos vocaux sur mon iPhone XS reconditionné. 256 gigas de mémoire et ouverture à reconnaissance faciale. J'ai plus de 6000 photos. Je me souviens parfaitement du numéro de téléphone de mes parents quand j'étais petit à la maison. C'était le 60 29 33 97. C'est le seul numéro dont je me souvienne d'ailleurs. Des fois j'ai envie de rappeler pour voir. Pour voir qui c'est qui décrocherait. Peut-être moi, à l'âge de 8 ans. Le film est bientôt terminé. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? J'avais un vélo. Où ça ? Derrière moi. Ah oui, il est passé très vite. Je me demande encore pourquoi. Je me demande encore pourquoi tout ce qu'on imagine a toujours plus de force que ce qu'on vit. Pourquoi le fantasme est toujours plus beau que la réalité. Je pense à l'amour par exemple. Je me dis que les amours impossibles sont souvent les plus belles à vivre. Pas toujours, mais souvent. Et là je remonte la rue des Pyrénées à pied. Et ça me rappelle un truc que j'ai vécu il y a un an. Ou il y a 2 ans peut-être même, je me souviens plus. Est-ce qu'on est au courant quand c'est la dernière fois qu'on fait quelque chose? On parle toujours de la première fois, mais la dernière fois. La dernière fois qu'on voit un ami. La dernière fois qu'on embrasse quelqu'un. La dernière fois qu'on fait l'amour. La dernière fois qu'on boit un verre de vin. La dernière fois. Penser à acheter des piles carrées, une friteuse neuve et vivre avec nos morts le dernier livre de Delphine Horviller. Alors comme ça, un jour, ma vie va défiler devant mes yeux. J'espère que ça vaudra le coup de la regarder. Pas trop fatigué ? On a beaucoup marché.